Ok, donc c'est bon, maintenant on est là. Oui. Donc comme on est là, il faut qu'on aille à la 13. Ouais, on va donc, la... La 13, oui. La 13, il faut aller... Bah là, on va redescendre derrière. Ouais, il faut aller là-bas. On va redescendre, on va longer le muret, là. On va longer le muret. Donc là, alors, on commence par quoi? On fait quoi là? Eh bah, soit on commence par les vignes, ou soit on commence par le village. Moi, je pense qu'il vaut mieux commencer par le village. Ok. Voilà, et puis on finira par les vignes. Donc là, on part et on va directement sur la 11. Okay. Voilà, à la 11, on sort du pressoir et puis on va tout de suite sur la gauche, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Regarde sur la carte, il est dans ce coin-là. Il est dans ce coin-là. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est un petit coffre, il nous a dit. Un petit coffre en bois. Non, il n'est pas là. Ah, il est là. Il est là, ça y est, c'est bon. Ouais! Super, génial. Nous proposons désormais des visites d'entreprise aux particuliers comme aux professionnels, mais également des team building à partir de roulés de fûts ou de montage de fûts en robe. Donc, le sas des cinq sens, c'est un jeu de reconnaissance sensorielle original auquel il faut toucher, sentir, écouter, voir et bien sûr déguster des objets ou des choses mystères autour du champagne. Ça peut jouer avec une feuille simple ou carrément avec une application internet qui permet d'avoir des résultats quasi immédiats.